détails vous ont échappé ou vous ont été cachés. Dans Scandale is Hot, votre émission sur IRM.radio, on souffle les braises de la vérité. Les scandales n'ont plus aucun secret pour vous chaque samedi soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Scandale is Hot sur IRM.radio. Pendant une heure, je serai accompagnée de mon équipe Élodie et Anthony à la réalisation. Bonsoir. Bonsoir Élodie, tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Ça va, merci. Bonsoir et bienvenue à nos deux invités, Abdeslam Boussri, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne. Bonsoir, ça va ? Bonsoir Azia, très bien. Merci. Bonsoir Azdine. Bonsoir Azia. Ça va Azdine ? Ça va, tu vas bien et toi ? Oui, ça va. Azdine est un journaliste sportif à Africa Sport TV. Alors, le scandale de ce soir, c'est celui de Youssef Blaïli, un footballeur international algérien. Vous le connaissez ? Ben oui, évidemment. Un petit peu quand même, un tout petit peu. Ben non, Azdine, je suis sûre que pas un petit peu. Tu verras, tu verras. Oui, on a eu l'occasion de le voir pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui. Et il a brillé. Exactement, c'est vrai. Tu as vu son corner rentrant là, récemment là. Ah, vous commencez déjà ? Attendez, laissez-moi parler de lui. Alors, à 27 ans, ce joueur a déjà connu plusieurs vies. Ben là, déjà, on a commencé à parler de la Coupe d'Afrique, mais avant la Coupe d'Afrique, ben, annoncé comme un grand espoir de football algérien, le milieu de terrain était donné perdu pour le haut niveau après une suspension pour usage de cocaïne. Oui, c'est dommage pour lui, hein, parce que c'est quand même un joueur qui avait des qualités, un talent fou. Et d'ailleurs, il a prouvé en championnat, il était avec l'USMA d'Alger. Ouais, et c'est là où il a eu ce problème. Oui, exactement. Et heureusement pour lui, hein, et bon, il a été suspendu 4 ans. Heureusement pour lui qu'ils l'ont finalement. Ils l'ont fait. Oui. Donc. Excusez-nous, ouais. C'est un petit problème technique. Ouais. Oui, exactement, oui. Alors oui, tout a commencé le 7 août 2015, comme tu disais, Boussli. Oui. Bah, le 7 août 2015, lors d'un match de Ligue des champions d'Afrique qui opposait l'USM Alger, ouais. Où jouait justement Youssef, contre le MCO Ulma. Mais ce jour-là, Youssef a été tiré au sort pour faire le contrôle antidopage. Il a alors été contrôlé positif à la cocaïne, malheureusement. Blaïli avait justement, il a pas dit non. Il a admis avoir fumé la chicha lors d'une fête le 5 août 2015, donc juste deux jours avant la rencontre. Il avait également affirmé ne pas être conscient que la cocaïne avait été dans son tabac. Il a dit qu'il a su ça juste au moment où son ami lui a dit « Fais attention, il y a de la drogue dans ta chicha ». Et Blaïli avait dit qu'à ce moment-là, donc au moment où il a su, il a cessé de fumer. Donc Abdeslam Boussri, vous êtes un ancien joueur de l'équipe nationale algérienne entre 1977 et 1983, ouais. Et le meilleur buteur de toute l'histoire du MCA. Bravo. C'est beau, ouais, c'est beau. 164 buts, c'est beau. Ah oui, ouais. Tu t'es bien renseigné, hein. Ouais. T'as bien révisé tes fiches, Asdine. Hein. Et puis, classique. 5 fois meilleur buteur du championnat. Ouais. Ah, c'est merveilleux. La dernière fois à 30 ans, c'est pareil. Non, pour revenir à Blaïli, c'est vrai, c'est-à-dire que logiquement, on ne devait pas parler de la cocaïne dans ce milieu, dans le football, hein, logiquement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, parler de la cocaïne dans le milieu du football en particulier, dans le sport en général, mais dans le football en particulier, c'est malheureux. Et ça tombe sur lui. Et finalement, d'après ce qu'on connaît, ce qu'on sait, en Algérie, il n'y a pas que Blaïli, finalement. Il y a eu d'autres cas aussi. Oui. Voilà. Et c'est malheureux. C'est malheureux de voir ça en Algérie, dans le football. Voilà, c'est ça. C'est ça. Surtout que là, enfin, au final, Youssef Blaïli, son affaire, elle est apparentée à du dopage. Mais Blaïli, il n'a pas besoin de dopage pour être bon. Enfin là, le dopage, là, c'est parce que c'est un produit qui est interdit, la cocaïne. Oui. On associe ça à du dopage. Mais Blaïli ne s'est pas dopé sur ce coup-là. Enfin, même s'il aurait volontairement fumé une chicha avec de la cocaïne, c'était pas parce qu'il se trouvait moins beau que les autres. Et, enfin, vu le talent qu'il a, c'est juste parce que c'est un jeune. Il faisait la fête, voilà. Il faisait juste la fête. Et, oui, il voulait pas tricher pour en fait, en voilà, parler. Quoi. Donc, associé au mot dopage, c'est quand même dur pour un type. C'est ça, qui... c'était dur en plus, comme c'est un footballeur, donc ça reste vraiment. Il enfreint les règles. On a retrouvé du cocaïne dans son sang, il n'y a pas droit à la cocaïne. Ok, c'est. Voilà, après, il justifie comme il peut. Mais aller dire que
qui s'est dopé, alors que non, enfin, quand on voit le talent qu'il a, on peut pas dire dopé. Après. Exactement, voilà. Oui. Quelqu'un qui se dope, c'est pour essayer de se donner un peu plus de tonus pour être l'or, il n'a pas besoin de ça. En plus, lui, quand on se dope, on ne se dope pas la cocaïne, on ne se dope pas le PO, exactement, des trucs, on ne se dope pas à ce produit. Enfin, c'est pour ça, moi, je... Et là, je pense qu'aussi, il y a peut-être la fréquentation du joueur aussi. Bien sûr, c'est ce que son père et son frère expliquaient aussi. Exactement. Il était jeune, en plus, il était très jeune comme à l'époque. Il est originaire d'Oran, et que là, il s'est retrouvé à Alger un peu seul, 22 ans, et voilà. Il a trouvé des amis, et voilà. Il s'est fait des amis, oui, c'est vrai. Alors, Bousseli, quand vous étiez joueur, est-ce que fumer une chicha deux jours avant un match, c'est normal? Est-ce que vous pensez... Non, c'est pas normal dans le sport en général, et dans le football en particulier, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, ça n'existait pas d'abord, hein. Ça n'existait pas, et puis en plus, même la cigarette, on fumait pas. Alors là, pour fumer autre chose, c'est pas c'est possible. Mal vu quand même. Mais bien sûr que c'est mal vu, c'est très mal vu. Voilà, quel que soit le sportif, c'est très très mal vu de fumer quoi que ce soit. Ça rentre pas trop dans le cadre un peu hygiène de vie. Enfin, c'est comme si tu me disais que un sportif allait au grec toutes les semaines. Enfin non, enfin, voilà. C'est un métier, c'est une profession. Faut ça rentre les moyens dans le régime, dans le mode de vie d'un sportif, d'un footballeur. Chicha comme cigarette, tout ça, ça bousille un peu les poumons. Oui. Et comment tu vas être performant sur un terrain si tu peux pas courir? Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, un sportif, logiquement, il doit pas penser à ça du tout. Bien évidemment, fumer ou veiller ou manger n'importe quoi. Non, mais un sportif, il faut qu'il soit quand même. Même dormir, par exemple, ça rentre dans l'hygiène de vie. Parce que tu peux pas être performant sportivement si t'as pas un bon sommeil, c'est hyper important. Même pour les récupérations, c'est primordial. Le sommeil, c'est très très important pour un sportif. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que parfois, on prend l'équipe. On les emmène dans un hôtel, deux nuits avant le match, comme ça au moins ils se reposent, parce que c'est important aussi. Voilà. Oui. Est-ce que tu as déjà eu à faire un test antidopage pendant ta carrière? Nous, à l'époque, non. Il n'y avait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et puis en plus, même s'il y avait des tests, les joueurs étaient quand même très étaient sains quand même. Clean en général, ouais. Voilà. Ouais, on n'avait rien à craindre. C'est nouveau, ça s'est développé avec la nouvelle génération, surtout maintenant. Nous, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, on s'entraînait, et puis on s'entraînait, c'est vrai qu'on s'entraînait très très fort. Et voilà, mais non, il n'y avait pas de dopage. Plus, à cette période-là, il y avait aussi la culture, t'es sportif, tu touches ni au tabac, ni à rien du tout. Justement. Mais là, les sportifs, ils se permettent. Il y a plusieurs scandales sur ça. J'ai envie de te dire, c'est peut-être un problème de mœurs, mais c'est... Ce qu'on peut voir chez les jeunes de maintenant, on ne le voyait pas chez les jeunes il y a 30 ans. Enfin, c'est la société qui a complètement changé. C'est pas uniquement chez les footballeurs, mais... À l'époque, tu ne faisais pas une chicha à 20 ans devant tes parents. Là, maintenant, il y en a, je suis sûr que ça ne les dérange pas. Oui. Et puis, en plus aussi, même quand il y a beaucoup d'argent aussi... L'argent, ça fait tourner la tête. Ça fait tourner la tête, exactement. Oui, même pour les joueurs. Pour revenir un petit peu à Belaïli, c'est dommage pour lui, parce que même en Algérie à l'époque... comme c'était un très bon joueur, donc par rapport aux autres joueurs, il était trois fois mieux payé que les autres. Donc il fallait qu'il donne l'exemple. Logiquement, s'il était conscient, il aurait pu donner. Et en plus, il avait quand même devant lui une carrière. Franchement, il aurait dû donner l'exemple, parce que quand tu vois que c'est un gamin qui a grandi avec Bounja, je pense qu'on va parler après. On va parler de ça. Ils sont tous les deux originaires d'Oran, ils ont tous les deux grandi ensemble, formés ensemble. Mais ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble quand ils étaient petits. Quand tu vois que Bounja, il a trimé en 6e division pendant plusieurs saisons, et que Belaïli, comme il avait cette chance d'avoir un talent, il n'a pas su l'exploiter et en profiter. Moi, Belaïli pourrait. Je te dis pas que ce serait un Mahrez qui serait en première ligue, tu vois, mais pourquoi pas, il pourrait pourquoi être... Pas, il est encore jeune, il a 27 ans, peut-être, on ans, espère le ans, voir. 27 ans, c'est jeune, mais c'est vieux dans le foot, certaines fois, tu vois. Non. Surtout pour un... Surtout quand tu vois où il est parti, tu vois le choix de carrière qu'il a fait là cet été, il est clairement parti... Ouais, on va parler de ça, On va pas remettre en question ses choix, il fait ce qu'il veut, mais tu peux pas me dire qu'il est parti pour le sport en Arabie Saoudite. Ouais, je pense pas. Lui, s'il était un peu plus sérieux... À 22 ans, 23 ans, quand il était à l'USMA, il aurait pu partir à l'étranger. Parce que sur moi, avec ce talent, il avait des contacts. Comme, et voilà, comme il a eu cette affaire
D'abord, la chance qu'il a, c'est que Belmadi l'a rappelé. Oui, on va parler de ça. Oui, voilà. C'est, il a de la chance, oui, que Belmadi connaisse le football local. Et voilà, c'est... Si c'était un autre entraîneur, Madjer par exemple, il l'a rappelé. On a même pensé qu'il était blacklisté à un certain moment. Voilà, mais pour servir de... Les choix de Madjer aussi, on peut en parler. On n'est pas là pour contester les choix de Madjer. Néanmoins, lui, il avait une vision. Et il s'est dit, peut-être que celui-là, il avait ce problème de cocaïne, donc je ne peux pas le... Alors que c'était Belmadi... pour servir d'exemple aux autres joueurs. Si tu le ramènes, donc quelqu'un d'autre, il va fumer, il va faire un truc, il va se dire, je vais revenir en sélection. Et il a de la chance aussi qu'après les 4 ans, il lui a enlevé que 2 ans. Donc c'est 2 ans, il a pu repartir. Parce que 4 ans, ça aurait été dur. Ah non, non. Il reviendrait à peine, là. Ça aurait été fini pour lui, je pense. Revenir à 27 ans, après 4 ans, c'est compliqué. Ouais. Mais, puisqu'on parlait de Belmadi, c'est lui qui... finalement, le mérite revient à Belmadi. Belmadi, il lui a fait confiance. Avec tout ce qu'il a eu, il lui a fait confiance. Et je pense qu'il lui a parlé. Et il a essayé de le raisonner. Belmadi, il a eu des choix. Enfin, moi, personnellement, quand il est arrivé, j'étais un peu... pas sceptique, mais tu veux gagner une CAN avec un coach qui n'avait pas d'expérience au niveau international. Pour moi, c'était un pari risqué. Mais Belmadi, il donne les chances, même ce qu'il a fait avec Belkabla dernièrement. Il est revenu. Tu vois, il rappelle Belkabla. Enfin, quand tu vois à la CAN, il prend pas Roulam. Il y a des joueurs qui ne prennent pas, des joueurs de. Mais lui, Belmadi, moi je pense. Il a quand même su choisir les joueurs qu'il faut d'abord. Parce qu'il y a des joueurs. Bien sûr, on se trouve un groupe. Il y a des joueurs qui ont été contestés, qui ont été critiqués, comme le Moulhi. Il avait pas de club. Et puis il venait plus. Il y avait Guedioura, il y avait pas mal de joueurs. Oui, Guedioura, il a pas mal été critiqué avant la CAN. Il a joué à la CAN. À son âge, on n'imaginait pas ça. Et c'est pour ça que le mérite revient à Belmadi. Belmadi, lui, il a eu le courage d'imposer ses joueurs et d'aller. Et puis son travail, finalement, c'est que il aura travaillé moralement. Moralement, il a pris un groupe avec une bonne mentalité, avec un bon état d'esprit. Il a installé et finalement, c'est avec ça qu'il a réussi. Il a essayé de réunir les joueurs. Et finalement, les joueurs lui ont fait confiance. Et c'était réciproque aussi. Ah, mais tous les joueurs l'ont dit. Pour lui, on pouvait donner notre vie sur le terrain. Et c'était à la fois notre coach et notre grand frère, en fait. Voilà. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Même Mahrez, il a toujours dit. Et je pense que Belaïli, il s'est retrouvé grave en confiance de se dire, ouais, on aurait pu me mettre au placard. Et là, il me donne ma chance. Je vais mourir pour lui s'il faut, pour le maillot, pour lui. Mais je vais lui dire merci. C'est ce qu'il a fait. Il a fait avec tous les joueurs. Il ne fait pas de différence, lui. C'est ce qu'il a dit. Ce qui s'est passé avec Mahrez quand il était en retard de 30 secondes, il a demandé au chauffeur de bus de démarrer. C'était pendant la CAN. Mahrez, c'est le capitaine de l'équipe algérienne, l'équipe nationale algérienne de football. Donc Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, il a demandé au chauffeur de bus de partir et de laisser Mahrez à l'hôtel 30 secondes. Pour 30 secondes. Et le joueur, il a pris un taxi pour rejoindre son entraîneur et ses camarades, mais il a été privé de faire son entraînement à cause de 30 minutes. 30 secondes, pardon. C'est super important de faire ça, parce que si tu lui cèdes, et qu'imaginons le jour d'après, le lendemain, pour l'entraînement, il y a quelqu'un qui arrive en retard, et là tu démarres. Ça peut créer conflit. Ouais, Mahrez, pourquoi lui dire rien et pourquoi C'est exactement ça. C'est pour ça, lui, sa discipline. Tout le monde a la même enseigne. Et c'est très important. On est tous les mêmes. Il a instauré une discipline. Je pense que c'est très important, ça. Exactement. Et pour réussir, Belmadi, il a regroupé des joueurs, on avait dit, des joueurs de qualité, avec une bonne mentalité. Bien sûr. Et il voulait instaurer une discipline. Il a instauré une discipline. Et pour le cas de Mahrez, c'était le capitaine. Donc, s'il fait une erreur, il doit donner l'exemple, logiquement. Le capitaine, c'est lui qui doit arriver le premier, c'est lui qui doit sortir le dernier, c'est lui qui doit... Il est capitaine d'équipe. Un capitaine, c'est le deuxième entraîneur sur le terrain. Donc, voilà. Et en faisant ça à Mahrez, ça veut dire qu'il a montré à d'autres joueurs. Et les autres joueurs, personne n'aurait fait quoi que ce soit parce que le capitaine a été sanctionné. Et c'est ça ce qui est... Ça, c'est bien. Et c'est pour ça qu'il a réussi, finalement. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a instauré, un état d'esprit, une ambiance extraordinaire. On voit les résultats. C'est ce que j'allais dire, tu vois. On voit que le talent en Algérie, personnellement, je suis peut-être pas objectif, mais le talent algérien, il date pas de 2019. Et quand tu vois... Il fallait juste instaurer une certaine discipline, choisir les bons éléments, les bons joueurs. Quand Ali Lodzic est parti, on a une succession, je crois, en 6 ans. On a eu 5 coachs, ou 5 en 6 ans, ou 6 en 5 ans.
Avec les mêmes ça joueurs, prenait pas. ils Ça pouvaient prenait rien pas parce faire. que, enfin, il y avait, à mon avis, il n'y avait pas assez de discipline. Voilà, enfin, je pense que Exact. c'est comme Voilà. ça. Oui. Belmadi, il arrivait, il a cadré les choses et il y a rien sans rien. Tu travailles et ça paye. Hein, regarde. Exactement, Exactement. oui. Donc revenons un petit peu à J'allais dire, on Blaylee. s'écarte de Belaïli. Donc je disais, l'analyse de l'urine de Blaylee a révélé la présence de cocaïne. Et pour cela, le 20 octobre 2015, Youssef Blaylee a été suspendu par la CAF pour 4 ans, car le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, qu'on appelle la CAF, a constaté une violation des règles antidopage. Avant d'aller plus loin, il nous paraît essentiel de vous expliquer ce que c'est le dopage, la lutte contre le dopage et son rôle essentiel dans le sport. Chronique signée Elodie. Oui, en effet, je pense qu'il est important de définir ensemble ce que c'est que le dopage. Tout à l'heure, je vous entendais dire que pour vous, ce n'était pas vraiment du dopage ce qui s'était passé avec Belaïli. Alors, en fait, ici, se doper, c'est administrer à une personne, enfin s'administrer donc, ou à un animal, parce que ça concerne également les animaux, un stimulant chimique avant une épreuve sportive ou intellectuelle. Et oui, ça concerne aussi les Alors, c'est pas que échecs. les sports. Oui. Tous les sports Tous les et sports. aussi tout ce qui est oui intellectuel, par exemple un concours de mémoire, les Mémoire. échecs. Ok. Ouais. Et le but de ce dopage, enfin la conséquence, c'est d'accroître artificiellement ses capacités. Donc c'est pour ça qu'on essaie de lutter contre le dopage, c'est parce que ça va contre les valeurs du sport, qui sont celles de l'équité, de l'intégrité, mais aussi de la santé des joueurs. Puisque comme on le sait, il y a eu de nombreux cas de mort de joueurs suite à un dopage. Sur le terrain. Exactement. Pour vous donner des exemples, bon, peut-être que tout à l'heure on a cité l'EPO comme Ouais, produit j'ai parlé de dopant. PO, exact. Ouais, ça il est très connu puisque c'est l'affaire Armstrong dans le cyclisme. Donc en fait, au départ, c'est une hormone naturelle hein, qui est fabriquée par les reins et le foie. Mais on a créé de l'EPO chimique pour pouvoir augmenter le nombre de globules rouges dans le sang et ainsi accroître ses performances. Donc Ouais. c'est ce qui concerne Donner une Armstrong. certaine force, oui, Ouais, exactement. exactement. Parce que comme tout le monde le sait, le vélo, le cyclisme est un sport qui est Ah, très touché particulièrement touché. par le Ouais. dopage. Par exemple, sur le Tour de France, on sait Tous que les ans. c'est très compliqué. Ouais. Et je voulais vous citer une petite phrase de Coluche qui dit: Le Tour de France, il serait moins dur à faire sans le vélo que sans le dopage. Et encore, il faudrait qu'il fasse beau. Pour résumer un petit peu la complexité du Tour de Ah, il France. avait tout vu, hein. Il avait Oui. 30 ans, il avait déjà tout Oui. vu, hein. C'est ça. On peut aussi citer les euphorisants, donc comme la cocaïne qui est en cause dans l'affaire Belaïli. Belaïli, exactement. Ouais. L'extasie, C'est tout ça, avec la caféine, les amphétamines. On a aussi les antalgiques qui permettent de réduire la douleur et certains sont prohibés. Et le simple fait d'en avoir consommé avant une compétition, une épreuve sportive, si vous êtes contrôlé après, peut faire en sorte que vous soyez sanctionné. Oui, le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui prennent des comprimés, ils ne le savent pas finalement. Bien C'est sûr, ça justement, parce que oui. parfois les médecins ne connaissent J'ai pas un petit pensé peu. tout à En plus, l'heure avec dernièrement, l'affaire. à C'est ça, Mahrez aussi, ouais, quand il avait Mahrez pris avec. des antibiotiques en Voilà. Algérie, Pareil. ben son entraîneur lui a Ah, il dit n'a de pas ne joué pas avec City, ouais, jouer Community. Mais moi, je parce pensais qu'ils avaient plus trop de. à Ouais. plus anciennement, tu sais, l'Algérie à la Coupe du Monde, je sais plus, c'est 82 ou 86. Quand ils avaient un médecin russe, et donc il leur donnait des cachets, on ne savait pas ce Allez, qu'ils avaient. oui. Et au final, là, quand tu regardes la génération algérienne de cette époque, Ouais. tu dois avoir 5 ou 6 enfants qui sont atteints de pathologies, ils Ouais, sont handicapés ah bah c'est moteurs. ça, Ou, oui. Ouais, voilà, ou... c'est des amis Et d'ailleurs. Ouais, il y a 4 ou 5 joueurs, c'est des voilà, amis. et c'est des amis qui ont joué C'est... tous dans l'équipe nationale au même moment. Et voilà, Exactement. Et puis en plus, pour revenir un petit peu, ils prenaient des comprimés, ils connaissaient, ils ne savaient pas. Et c'est le médecin russe à l'époque, parce qu'il y avait l'entraîneur national russe, il a ramené son staff avec lui, Ouais. et le médecin aussi. Et le médecin, il leur donnait des comprimés. Et c'était ces comprimés, ça, finalement, quand vous voyez ça, maintenant, ces joueurs, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ils ont tous des enfants handicapés. Oui. Donc reste à savoir maintenant, est-ce que c'est dû à À ça? ça, oui. Mais Oui, il paraît que C'est c'est dû à difficile ça. à prouver. C'est difficile à Bah, prouver, oui. mais
C'est pas par hasard, hein, oui. Non, bien sûr, c'est difficile à prouver, ouais. Certes, oui, mais quand tu vois qu'il y a un groupe de... Il y a quelque chose, quand même. T'as je sais pas combien de joueurs algériens de football, voilà. Tu prends le nombre d'équipes, tu multiplies par le nombre de joueurs, c'est 23 fois 15, c'est énorme. Et quand tu vois que les 5 qui sont touchés, bah, ils ont joué dans la même sélection, avec le médecin qui leur a donné les mêmes médicaments, voilà. Ils étaient dans le même groupe, bien sûr, voilà, ils prenaient les mêmes médicaments. Logiquement, c'est ça. Ils partent en Coupe du Monde en Espagne ou au Mexique, et ça se finit comme ça, tu vois. Et je suis d'accord avec vous, et justement, je voulais vous dire que donc il y a un site, le site de l'Agence mondiale de l'antidopage, sur lequel est référencé l'ensemble des substances qui sont considérées comme illicites. Et en France, on a une agence française de lutte contre le dopage qui est très investie dans la lutte contre le dopage. Et sur son site, vous avez une page où, qui sert à savoir si le médicament qui vous a été prescrit en tant que sportif est ou non considéré comme interdit, ce qui est très bien, une grande avancée, ouais, puisque comme vous le dites, un médecin ne va pas forcément vous demander si vous faites du sport à haut niveau, et donc vous pouvez retrouver avec des surprises dans les c'est tests. C'est à nous de chercher après. Donc, si ça vous intéresse, oui, on peut mettre peut-être le lien du site, sur le site IRM.radio. Oui, on le mettrait, oui. Ouais. Et donc, oui, je vous disais, en France, c'est depuis les années 60 qu'on essaye de faire quelque chose pour lutter contre le dopage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prohibé par le Code du sport, et donc c'est l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est une autorité publique indépendante de l'État, qui s'occupe de... qui a plein de missions, en fait, hein, de prévention, de contrôle. On en parlait tout à l'heure, il y a des contrôles inopinés qui peuvent être faits, hein. Ça a été le cas notamment, je pense, de l'affaire Clémence Calvin, la marathonienne française qui a été contrôlée à Marrakech dont on pressent qu'elle ait évité, qu'elle ait obstrué le contrôle, et qui donc là a été suspendue temporairement pour 4 ans. Comme Belayli. Ouais, exactement. Ça arrive très souvent, les contrôles, oui. Inopinés. C'est ça. Et après, donc les sanctions, ça peut aller du simple avertissement à la suspension temporaire, voire définitive, et aussi à l'annulation des résultats. Alors ça doit être le pire pour un sportif, j'imagine. Non, mais ça, le pire est le meilleur, parce que c'est le pire pour lui, parce que lui, bah, il s'est dopé, donc il perd son titre. Et celui qui a fini deuxième, du coup, il récupère un titre qu'il mérite au final. Et on voit souvent ça en athlète, je trouve. Mais maintenant, ça ne pardonne pas aussi. Hein, ça ne pardonne pas dans la mesure où les Russes, maintenant, ils sont suspendus pour les Jeux Olympiques. Les Russes, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent faire du monde de foot, ils peuvent plus faire du basket, ils peuvent plus rien faire. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, mais après, c'est... Là aussi, c'est un dopage d'État. Oui, voilà, là, ça va encore plus loin. Mais c'est quand même important pour garantir que le sport, ce soit quelque chose d'équitable et qui prône des valeurs comme le travail, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais, exactement. Et on peut aussi avoir des conséquences pécuniaires qui vont au maximum jusqu'à 45 000 euros, en plus de toutes les sanctions que j'ai citées. Pour finir, je voulais vous citer quelques chiffres de l'Agence française de lutte contre le dopage de 2018. Pardon. Ils ont recueilli 13 000 échantillons dans l'année, donc c'est quand même assez colossal. Et il y a eu 306 dossiers disciplinaires. Donc les dossiers disciplinaires, c'est quand il y a des poursuites qui sont engagées contre un joueur. Donc ils suivent ces joueurs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ce sont les prélèvements qui donnent lieu après à des poursuites, à des suites disciplinaires, puisque l'Agence française de lutte contre le dopage a des pouvoirs en termes disciplinaires. D'accord. Bah, moi, je prends par exemple, c'était au Mondiaux de Doha, là, en athlétisme. Celui qui gagne le 100 mètres, Christian Coleman, il a failli ne pas faire ses jeux, parce que chaque agence a ses règlements locaux. Et l'agence américaine, c'est si tu manques 3 contrôles antidopage dans l'année, en fait, tu es appelé à te présenter une heure avant le contrôle. Tu viens, tu te présentes, tu fais ton contrôle et tu repars. C'est un checkpoint. Et tu as le droit d'en manquer 2 sur une période d'un an. Au bout de 3, tu es suspendu. Et lui, à la base, il en avait loupé 3. Donc, il devait être suspendu 4 ans. Il ne devait pas aller au Mondiaux. Il ne devait même pas faire les jeux. Donc, même si tu n'es pas contrôlé positif, c'est le fait de Le fait, on considère que si tu sèches un contrôle, c'est que tu as peut-être quelque chose à te reprocher. Tu as quelque chose, bien sûr. Et lui, il en avait loupé 3. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'était entre avril et à la base mars, donc en moins d'un an. Et bizarrement, le premier contrôle, en fait, daté de juin, plus d'avril, ils se sont arrangés pour qu'ils puissent aller au Mondiaux. Donc, on ne saura pas, hein, nous, si c'était dans les temps ou pas. Mais le fait est qu'en maximum 15 mois, il a loupé 3 contrôles antidopage. Est-ce qu'il est dopé ? On ne sait pas. C'est une présomption quand même. Et il s'est retrouvé champion du 100 mètres, là, c'était en septembre après. Alors, il a du potentiel, ça se voit. Après, est-ce qu'il s'est dopé ou pas ? On ne saura pas. Mais après, si t'es clean, tu loupes pas les contrôles. Oui, mais lui, ce qu'il dit à chaque fois, c'est... Quand on est sportif de haut niveau, on voyage beaucoup.
Et le gars, avec tous ses voyages et tout, comme il est jeune, il oublie. Et voilà. Après, voilà, est-ce qu'il est de bonne foi Il ou pouvait pas? appeler, décaler Présomption son rendez-vous. voilà, présomption d'innocence, je suis pas sûr, mais présomption d'innocence. Mais le dopage, ouais, est de plus en plus présent. Enfin, c'est le cas Belaïli, c'est pour ça qu'encore une fois, quand je disais tout à l'heure, dire dopage pour ça, alors qu'il n'y a pas de volonté de Non, mais tricher, oui, justement, après, c'est parce que Elodie c'est la parlait définition, c'est de la la caféine. C'est la Bah, définition les juridique caféines, après. Bien il y en sûr, a. c'est ça, parce que le dopage, c'est Ouais. augmenter ta performance. Donc le fait d'avoir de la cocaïne dans le sang, ça doit augmenter la performance si c'est C'est sur les ça. produits Non, mais interdits. sans Donc, parler de caféine. le café, je pense que ça peut t'augmenter à Mais j'ai partir vu d'une certaine Blayley dose. boire du coca la veille d'un match. Non, mais ça doit pas Ah, être la caféine. attention. Ça doit être certains produits qui contiennent de la Oui, bien caféine, sûr, pas ouais. le café. Ah, ok. Mais après, oui, c'est ça. En fait, les critères pour que le dopage soit reconnu juridiquement n'incluent pas le fait que ce soit ou non volontaire. Non, bien sûr, ouais, bah, et Bon, c'est ça bien dépend ça. justement, c'est C'est pour ça ça que que je je te vais dis que parler ça sur Blayley. juridiquement, c'est du dopage. C'est bien Ouais. ça, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que c'est dur, en fait, pour un type comme ça, de l'associer, parce que quand on entend dopage, c'est rare, c'est jamais positif. Donc, entendre, même lui, qu'il entende son nom associé à ça, alors que lui, il n'avait pas volonté de faire mal. La preuve, il a été honnête et il a pris Et 2 ans au lieu de justement, 4. ouais. Il a C'est. expliqué, il a Voilà, raconté. et c'est dur, parce que juridiquement, c'est ça, mais c'est dur. Faudrait peut-être faire une distinction entre les deux. Justement. C'est dommage parce que finalement, le dopage, pourquoi c'est pas bien? Parce que les gens qui se dopent, ils travaillent à Ouais, fond. tu travailles pour rien en Et fait. tu travailles pour essayer de Le d'être meilleur le meilleur. exemple, c'est Maradona. Il Non, n'avait mais pas besoin de se doper. oui, mais Ouais. justement, c'est malheureux quand c'est Voilà. les meilleurs. Logiquement, quand quelqu'un qui est meilleur, il ne doit pas se doper parce qu'il est meilleur, il Bien travaille sûr. beaucoup. Les gens qui se dopent, c'est les gens Bah, qui ont besoin, qui qui sont en ont dessous, besoin, t'es en exactement. dessous, tu sais que tu n'y arriveras Mais ça pas. touche Exactement. toujours les meilleurs Voilà. joueurs. Ils Mais ont toujours envie de faire voilà. plus. C'est pour ça qu'ils sont sans pitié pour ces gens-là, Bah, parce que c'est de la tricherie. et puis c'est C'est de la normal. tricherie, T'imagines c'est. quand t'es sportif de haut niveau, ça veut dire que c'est ta vie. Toi par exemple, Oui. ça veut dire que pendant 20 ans, t'as travaillé toute ta vie et tu gagneras jamais rien parce qu'il y a un mec devant toi qui est plus fort Et en trichant. S'il c'est triche pas, ça, il est moins fort. et c'est ouais. ça justement. C'est Le problème, il est là. malheureux. C'est parce que les gens qui travaillent sérieusement, ils n'arrivent pas à avoir de Bien résultats sûr, par bah, rapport aux c'est ça gens le qui souci. trichent. Tu vois, par Et c'est exemple, ça ce qui est. on Voilà. parlait de C'est ça ce qui cyclisme est tout à l'heure. Raymond Poulidor qui est mort il n'y a pas Il n'y a longtemps. pas longtemps, ouais. Raymond Poulidor, il a toujours fini deuxième. C'est même, il est rentré dans les jambes pour ça. Dans les gens, Mais devant exactement. lui, il avait des gars qui étaient juste des extraterrestres. Enfin, les Dimerckx, tu pouvais pas lutter contre ça. Donc eux, ils sont pas dopés. C'est juste, t'as pas eu de chance. Par Voilà. contre, là, qui est, tu vois, un gars que, en athlétisme, en cyclisme, par exemple, à l'époque de Armstrong, Armstrong devait être très fort. Mais que tu te dises, j'ai jamais gagné un Tour de France parce que lui, il l'a gagné 7 fois, 7 fois dopé. Ça doit être rageant, tu vois. Tu peux te dire, en fait, j'ai travaillé pour rien. Toute ma vie, ça sert à rien. Ouais. C'est ça, Puis lui, il avait mis en place justement. des stratagèmes pour éviter Voilà, les contrôles, bien sûr, pour mais lui, diluer son il est sang. très fort. Il était... Voilà, Bah, c'est après, ça à ce cette qui époque-là, il y a eu le scandale de PO avec le docteur Ouais. Fuentes et tout en Espagne. Enfin, c'était une vraie usine à dopage, ça. Et ça doit être rageant pour les mecs qui étaient clean, tu vois. Tu finis troisième d'un Tour de France, tu resteras le troisième à vie, alors qu'au final, t'aurais pu être premier s'il n'y avait pas eu des tricheurs derrière. Voilà, c'est Ouais, ça le c'est problème. ça, oui. Donc revenons à notre footballeur qui est notre sujet d'aujourd'hui, Youssef Belaïli. Donc Youssef, il a été élu meilleur joueur de l'ES Tunis lors de la saison 2012-2013. Juste après cette magnifique saison, l'Europe lui faisait les yeux doux, mais le natif d'Oran a choisi le retour au pays. Donc il a choisi Bien l'USM sûr. Alger. Il était considéré comme une star. En Non, mais. 2015, Oui. oui, en 2015, Christian Gourcuff lui a offert sa première sélection avec les Verts. Tout allait pour le mieux donc pour Youssef Bleyli avant ce fameux été 2015. Bleyli n'avait pas perdu espoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non. Il a fait appel de la sanction auprès du tribunal arbitral du sport qui a rendu sa décision. Le 4 novembre 2016, 2016, pardon, la suspension de Youssef Bleyli a donc été réduite de 2 ans. Donc au Exactement. début c'était 4 ans, Voilà. après c'est passé à 2 ans. Donc quand le tribunal arbitral du sport avait examiné l'affaire, il était arrivé à la conclusion que la violation des règles antidopage par le joueur avait plutôt un caractère non intentionnel. Donc, parce qu'il a avoué, il a dit que j'ai fumé une chicha, je ne savais pas qu'il y avait pas, et qu'il y avait de la cocaïne. Mon ami ne me l'avait pas dit. Au moment où il me l'a dit, j'ai cessé de fumer. Donc, ils ont trouvé que c'était non intentionnel. En vérité, oui, il fumait, c'est-à-dire il fumait pour son,
pour une chicha, enfin, pour s'amuser, pour s'amuser, il était jeune, il avait 22 ans. Voilà, mais le problème, le problème c'est pas pour tricher, pour être plus en forme, c'est pas pour être plus performant, voilà, c'est pas ça, c'est pour, et je pense que la, il le fait pas pour être comme vous dites performant, pour être meilleur sur le terrain, non, il le fait parce que il le fait pour s'amuser, parce que c'est un jeune, et c'est ça justement. Moi je pense que un, ce fait-là, et deux, son honnêteté. Je pense que le tribunal arbitral du sport, ça, dans leur tête, ils ont dit on est obligé de le sanctionner parce que c'est un produit, c'est voilà, comme on l'a dit, c'est du dopage au vu de la loi. Mais on va pas lui mettre 4 ans comme un vrai mec qui a triché exprès parce que voilà, le gars il était juste mauvais, il voulait être meilleur. Lui, finalement, c'est pas une tricherie. Hein, non, c'est, il a pas triché. C'est pour ça que j'aime pas employer le mot dopage, parce que dopage, c'est direct associé à la triche. Justement, c'est ce qu'ils avaient dit au tribunal arbitral de sport. Et surtout qu'en foot, c'est plus rare le dopage dans les sports collectifs parce que si t'es mauvais. Il y a quand même 10 mecs autour de toi, genre au foot, on est 11 sur le terrain. Donc si tu fais un mauvais match, tu vas finir sur le banc. Mais si ton équipe elle est championne à la fin de l'année, même si t'es sur le banc, t'aurais été champion. Exactement. Donc, alors que c'est en athlétisme, en tennis, tout ça, t'es nul. Tu restes nul. Voilà, c'est le sport individuel qui est très. C'est collectif. C'est pas pour rien que les principaux dopés, c'est les boxeurs, les athlètes, les cyclistes. Exactement. Exactement. Vous savez, pendant cette période justement de sanctions, est-ce que tu pensais que Blayley allait revenir en équipe nationale un jour? Moi, sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, pour lui, c'est fini. Hein, parce que, d'abord, au départ, c'était 4 ans. Bon, j'ai entendu dire qu'il s'entraînait quand même, mais 4 ans, c'est trop loin. Finalement, quand il a eu que 2 ans, je me suis dit, il a de l'espoir. Il y a un espoir. Il y a un espoir qui revient. Finalement, sûrement, ça lui a parce que, boosté. Ça l'a boosté, exactement. Sûrement, il s'est dit maintenant, parce qu'il sait, il le sait lui-même, que c'était un très bon joueur. Parce qu'à un moment donné... sur le championnat national algérien, il était au-dessus. Hein. Bah déjà, quand tu vois qu'il s'exporte en 2012, il a quoi? Il a 20-21 ans. Putain, il part déjà à Tunis. L'Espérance, c'est un grand club d'Afrique. Mais, on ne parle pas que du Maghreb. Oui, mais moi, je pense qu'il a été mal conseillé parce qu'il aurait pu venir en Europe. Ah, par exemple, en France. Ouais, un championnat tremplin, France, Belgique. Atal, 22 ans, il est parti en Belgique. Il finit à Nice. Mais pour un joueur algérien, je pense, quand il a des qualités... Et il a des contacts en France, il peut venir. Parce que il peut se lancer facilement. Il peut se lancer, et puis en plus, ici, c'est un championnat quand même très élevé. Championnat de France, c'est quand même... Et puis en plus, pour les médias, pour être très connu, c'est en France. Pour aller en Angleterre, Et bon, ce qui m'a étonné, c'est qu'après la Coupe d'Afrique, après, il a fait une bonne Coupe d'Afrique, il est parti en Arabie Saoudite. Bon, tu me dis, il a 27 ans, 28 ans, peut-être que... c'est peut-être le problème d'argent, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie finalement. Bien sûr, non mais ça... Parce que en fait, lui, il a besoin de jouer dans un championnat où il est... Regarde, le championnat de France par exemple, ou le championnat d'Espagne. Moi je pense qu'il ne s'est pas plus en France, il a une sale expérience à Angers, donc c'est pas plus. Moi c'est ça, on va parler de ça après, Mais moi personnellement, enfin... En fait, tu as le droit d'y aller pour l'argent comme beaucoup le font, Benatia au Maroc, tout le monde l'a fait en ce moment. Mais y aller une fois que tu as eu entre guillemets une carrière, je ne dis pas que Youssef Blayley n'a pas eu carrière. Moi je pense qu'il fallait qu'il reste en Tunisie. Il aurait pu avoir plus. Mais regarde les grands joueurs comme Xavi, comme Iniesta. À la fin de leur carrière, ils partent, que ce soit en Chine, en Arabie Saoudite, au Qatar. Oui, d'accord. C'est des retraites. C'est des retraites exotiques. C'est des retraites. Mais c'est une pré-retraite. Non, c'est vraiment une pré-retraite. Non, aussi, la tendance, c'est de partir au Qatar ou en Arabie Saoudite pour se lancer, pour être à entraîneur. Mais lui, il a 27 ans. 27 ans, il a encore 5-6 ans devant lui. En fait, il n'a pas à se lancer parce qu'il est lancé. Il est lancé. Et il n'a pas à aller en pré-retraite parce qu'il a 27 ans. Après, moi, je ne peux pas remettre en cause ses choix. Peut-être que c'est personnel. Peut-être que c'est effectivement de l'argent. Voilà, et moi, personnellement, vu le contrat qu'on lui a proposé. Je suis pas sûr que si on me propose ça, je dis non. Non, c'est ce que je vous dis justement. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas que l'argent. Ça ne veut pas dire s'il vient en France ou en Europe et jouer dans un grand club pour jouer une Champions League, ça ne veut pas dire qu'il va toucher rien du tout. En plus, à 30 ans, il peut y aller au Qatar. Peut-être qu'il a besoin de plus d'argent et qu'après, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je serais parti en Europe et après, j'aurais bougé en fin de carrière. Voilà. Quand tu vois un Bounja, par exemple, je fais juste ça et après, je m'arrête. Mais Bounja, par exemple. C'est un mec, quand Belmadi est arrivé, qui marquait à tous les matchs avec l'équipe nationale, qu'il a mis un septuplé en 45 minutes au Qatar, il était sur les tablettes de Nantes, de l'OM en France. 10 jours après, il a prolongé pour 4 ans au Qatar. C'est l'argent aussi. Oui, mais il n'y a pas justement... Mais ils jouent bien. C'est ce que je vous dis. Mais moi, je préférais les voir là. En fait, moi, je pense que les joueurs... Les voir en Europe pour le sport. Ils voient que l'avenir du football est au Qatar. Il ne faut pas oublier Moi, je pense que sportivement, la Chine, le Qatar, il y a zéro avenir. Je pense que c'est vraiment de l'argent. Voilà. Et t'as beau attirer des gros joueurs, les trois quarts, ils seront en pré-retraite. Après, c'est mon avis. Mais quand t'as Iniesta qui finit au Japon, là,
c'est plus l'Iniesta du Barça. Enfin, non, mais peut-être avant, il n'y avait personne qui regardait le championnat qatari, et etc. Mais maintenant, comme il va y avoir la Coupe du Monde 2022, il y a plus de personnes et gens. L'Europe, elle regarde le Qatar. Peut-être ses joueurs, ils peuvent être. Je n'ai pas le droit de te dire que Belaïli n'aurait pas dû aller en Arabie Saoudite parce que c'est ses choix, c'est sa vie. Mais moi, personnellement, qui aime bien, amoureux du foot, je ne vais pas le mentir, amoureux du football, je ne veux pas le voir dans les championnats. Je préfère le voir en Europe. Ça dépend ce qu'on veut. Pour un joueur de avec ce talent, en principe, il devait jouer dans un grand club. Voilà. Un grand club, il y a pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que l'argent. Et il y a la gloire aussi, il y a l'environnement, il y a l'ambiance, et puis il y a la gloire aussi. Voilà, et puis, tu joues dans un grand club, par exemple, en Espagne ou en France, et tu joues au Paris Saint-Germain ou à Marseille, ou à Lyon, par exemple, une équipe qui joue à la Champions League, et c'est pas pareil que tu joues au Qatar. Tu joues au Qatar ou à l'Arabie Saoudite. Bon, tu gagnes beaucoup, tu gagnes 3 fois. Et alors, je pense, pas je sais pas. On va voir les matchs, on va le voir pendant les matchs de l'équipe nationale, on va voir s'ils ont niveau ABC. Ouais, Riyad Mahrez, quand il est champion avec Leicester, je suis sûr qu'on lui fait les yeux doux au Qatar, bien, il peut partir. Mais bien sûr, City, non. City, il est très bien payé. Mais est-ce que tu préfères qu'il reste à Manchester City en tant que remplaçant ou partir au Qatar et jouer chaque semaine? Je vais pas rentrer dans ce débat parce que moi, ça m'énerve ce débat avec City parce qu'il a pas joué là-bas. Enfin, il devrait jouer à tous les matchs. Non. Se retrouver sur un banc, c'est pas bien. Mais moi, je le préfère à City. Je le préfère même en bout de match. Il rentre, il a des éclats de génie, il montre qu'il est bon. Et il s'entraîne toujours pareil. Au Qatar, tu vas pas me dire que t'as le même entraînement qu'à City. Tu t'entraînes pas pareil. Il y a une chose aussi. Mahrez, il est pas remplaçant à City. Non. Il est pas titulaire non plus. C'est alternant. Non. Mais après City, c'est ça qui est bien aussi. Il y a quand même. À City, la politique de Guardiola, il a 22 joueurs valables. Donc si tu fais tourner, mais plus dans le sens qu'un autre. Voilà. Il fait tourner et si tu remarques, tu as. Constate que Bernardo Silva et De Bruyne jouent beaucoup chaque, plus que chaque dimanche, il y a 2-3 remplaçants. Mahrez, il a joué quand même des matchs. Il a été titulaire. Parfois, c'est vrai qu'il a joué beaucoup, plusieurs fois remplaçant. Mais néanmoins, attention, quand tu as le Jésus, il joue remplaçant pendant 3-4 matchs et il rentre. Après, Agüero, il finit sur le banc. Agüero, il déborde. Voilà. Oui, quand t'as une rotation comme ça. Ça, c'est politique, c'est comme ça. Asdine, est-ce que tu pensais que Youssef allait revenir à un tel niveau, surtout ce qu'on a vu pendant la CAN? Ouais, j'allais interrompre Bousquet tout à l'heure quand il en parlait. Quand tu prends 4 ans, je pense que c'est impossible. 2, peut-être. Parce qu'en fait, quand tu es suspendu, il faut bien savoir qu'en fait, tu n'as même pas le droit de prendre une licence avec un club amateur. Le club où tu mets ton fils, tu n'as pas le droit en fait. Tu es interdit de football. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tu peux juste, à part aller courir, t'entraîner dans ton jardin, être avec un ballon dans la rue, tu peux rien faire de technique. Tu n'as pas le droit d'être sur un terrain de football. Donc, tu étais plutôt optimiste ou pessimiste? En fait, quand j'ai vu 2 ans, je me suis dit, s'il a un bon mental et que lui, il y croit, parce que quand tu veux atteindre un objectif, il faut déjà y croire toi. S'il y croit, il y a forcément moyen parce qu'il a du talent. Le talent, c'est inné, il ne le perdra pas. Faut juste qu'il s'entretienne physiquement et qu'il revienne. Et donc moi j'étais mitigé, mais plus vers le il y a moyen qu'il y arrive. Justement, la moitié des Algériens disaient que la carrière de Youssef est finie. Mais pourtant, à la surprise générale, un club tente le pari. Tu parlais tout à l'heure de Angers. Angers a tenté de relancer juste après la fin de sa sanction en 2017. On lui a proposé à Angers un contrat par l'intermédiaire de son président algérien qui est Saïd Chaben. Voilà. Donc, mais après 6 mois passés avec l'équipe de réserve à Angers, Stéphane Moulin, l'entraîneur de Angers, ne lui a pas accordé la chance. Donc, Blaily s'est impatienté et il a décidé de plier bagages et de retourner à son club où il a vécu sa meilleure période, et qui est l'Espérance de Tunis, exactement. Asdine, je pense que tu l'as bien suivi pendant cette période. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé le retour de Blaily? On a parlé, est-ce que tu avais l'espoir qu'il revient ou pas? Tu parles du retour à Angers ou après à l'Espérance? À l'Espérance, Angers, c'était... Parce qu'en fait, Angers, moi je l'ai juste vu en parler rapidement, j'ai vu 2-3 interviews. Ouais. Quand il est à Angers, il revient, il est blessé. Hein. Ça, faut bien le savoir, il est blessé. Et le staff d'Angers dit il va mettre 6 mois à se remettre sur pied. Et lui, en 2 mois, il est à l'entraînement et il balade tout le monde en fait à l'entraînement. Il est au-dessus du lot. Et son coach lui dit, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on est une équipe défensive et on a besoin de joueurs robustes, physiques. Et toi, comme tu étais blessé de ça, sois patient. Mais Belaïli, il a dit, j'ai arrêté pendant 2 ans, je peux pas être patient, j'ai besoin de jouer tout de suite, pour relancer ma carrière. Déjà pour lui, je pense, personnellement. Donc il s'est retrouvé à l'Espérance. Ça avait bien marché quand il y était.
Et l'espérance, quand tu vois qu'il finit meilleur buteur, enfin ouais. deuxième meilleur buteur du club, meilleur passeur. Donc il a fait le bon choix. Pour moi, je pense que rester à Angers, ça aurait été une erreur. Après, en France, il y avait peut-être un autre club qui le voulait. Je sais pas comment les médias français ont parlé de lui, s'il était connu dans les clubs. Mais dans tous les cas, je pense que ouais, il y avait largement moyen de percer en France. Mais on lui a pas laissé sa chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand j'ai donc à l'espérance, il aurait. Exactement, il a eu raison. Je crois qu'aussi, à mon avis, hein, le choix d'Angers, bon, peut-être que c'est le seul club qui l'a contacté. Je crois que je le voyais à l'époque, il pouvait jouer à Lyon, il pouvait jouer à Lille, il pouvait jouer à Marseille, parce qu'il a des qualités. C'est vrai qu'il revenait d'une blessure et d'une suspension, c'est pas facile de. Mais néanmoins. Mais il était revenu en force. Il est revenu en force. Et la preuve, hein, quand il a été en Tunisie, il a gagné deux fois la Ligue des Champions. Et puis il a fini en équipe nationale, c'est ça le problème. Oui, tout à l'heure tu disais que Jamel Belmadi lui a donné une chance de revenir en équipe nationale. Oui. Si c'était un autre entraîneur, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Est-ce que tu penses que Blaïli a mérité cette chance? Non, Blaïli, c'est vrai qu'il non, il a mérité il a cette chance. Il a travaillé dur. Il a travaillé dur et puis finalement Belmadi, il ne s'est pas trompé finalement. Parce que je pense que Belmadi, quand il a appelé, sûrement il lui a parlé. Il lui a parlé, il lui a dit, voilà, tiens, un passé quand même très, très néfaste avec ce qui s'est passé. Et tu reviens doucement. Mais oui. Moi, je te fais confiance, je connais tes qualités. Et je vais te faire confiance, je vais t'appeler. Et tu vas jouer et tu vas essayer de me montrer et de montrer à tout le monde que finalement, c'est une erreur. C'est quelque chose qui ça peut arriver à tout le monde. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Belmadi, il avait des qualités, on le savait. Et voilà, il a fait une coupe d'Afrique extraordinaire. Et c'est dommage pour lui qui joue en Arabie Saoudite, alors que moi je le voyais dans un grand club en France ou en Italie ou en Espagne. C'est malheureux. Il est pour moi il est mal conseillé. Ça dépend ce qu'il veut. Oui. Mais il est mal conseillé, voilà. Ben, on a parlé de dopage. Ben, le dopage, il touche surtout le joueur. Mais il y a une chose qui touche plus l'équipe que le joueur, ben, qui est les matchs truqués. Si je vous dis match truqué, vous allez penser à quel match? À ton avis. Le match truqué le plus médiatisé. Le match de la honte. Exactement, c'est l'Allemagne-Autriche en 82. Vous étiez jeune, hein? Mais moi, je n'étais pas né. Hein. Moi, je l'ai vu ce match. Moi, je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu après, je l'ai revu à la télé. Et ce match, non, ce match, finalement, c'est le monde entier qui l'a. Bien sûr. Et tout le monde a vu et a su que le match est truqué. Et le pire, c'est. Ça a fait mal. Bon, pour l'Algérie d'abord. Comment t'avais réagi, Bousselet? En plus, c'était à l'époque où tu jouais au football. Non, mais le problème. Comment tu l'as vécu? Mais le problème, c'est qu'en 82-83, j'étais premier buteur. Hein, je devais aller en coupe du Monde. Et pourquoi mais t'es, bon, t'es non, pas Non, mais bah, c'est une ça, longue c'est histoire. Hein. Moi, c'est l'entraîneur de l'époque. Je ne m'entendais pas avec lui. Et il m'a privé de les Jeux méditerranéens, les Jeux africains, la Coupe du Monde. Et pourtant, donc il ne suffit pas d'être meilleur joueur. Hein. Oui, mais non, parfois. Tu aurais pu côtoyer Assad, voilà. Benoui contre l'Allemagne. Ouais. Mais bon, pour revenir au match de la honte, c'était une catastrophe. Hein. Ouais, et la FIFA, depuis ce jour, la FIFA a changé de règlement, ça, pas mal de règlements. Je pense qu'on parlait après, c'est bête qu'on ait eu adieu super ça, mais au moins ça n'arrivera plus. Enfin, la dernière fois, il y a 2-3 ans, Schumacher, le gardien allemand, il a été invité en Algérie pour remettre un prix à un joueur, une coupe de. Et il aura dit que ce match a été truqué. Ça se voit. Enfin, après 40 ans, je ne sais on pas. On peut pas refaire l'histoire, mais oui, ça se voit. Oui, mais il a avoué finalement. C'est malheureux, mais il a avoué, il aura dit que ce match a été truqué et c'est une honte. Finalement, il a reconnu que c'était pas bien quand même. Alors, Bousseli, j'ai une petite surprise. Il y a un ami à toi que je vais vous faire entendre. Donc, c'est Hafid Draji, le commentateur algérien de beIN Sport. Ah, oui. Et j'aimerais ensuite avoir vos sentiments sur ce qu'il dit. Toi aussi, Asdine, tu le connais bien. Hafid, bien sûr qu'on connaît, lui passe le bonjour. Oui, Hafid, c'est un ami. Ouais. Bah, on va l'écouter. Grand homme. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les amis, nos amis auditeurs. Bonsoir à votre invité Abdeslam Bousseli, mon ami et mon frère. Touhachtou, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, même pas au téléphone. S'agissant de Youssef Blaïli, je pense que ce qu'il a fait pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte et surtout la dernière année avec l'Espérance de Tunis, son retour en force à la compétition après ces problèmes qui ont duré quelques années. Je pense que
tout ce qui a été réalisé par Youssef Blaïli a été grâce à lui, bien sûr, grâce à ses qualités techniques et morales beaucoup plus. Et grâce surtout à Jamel Belmadi, je sais très bien que Abdeslam Boussali ne peut pas dire le contraire, parce qu'il a été bien pris en charge. Il a senti une confiance exceptionnelle de la part de l'entraîneur, Jamel Belmadi, qui a cru en lui, qui a pensé qu'il pouvait faire avec Bounjah un duo explosif à l'avant de l'attaque. Il a encore une fois prouvé sur le plan technique qu'il est un très bon technicien. Il a prouvé aussi qu'il pouvait jouer dans n'importe quel club, pas uniquement dans le monde arabe. Il a joué à l'Espérance de Tunis, aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il a beaucoup de qualité pour jouer en Europe dans des grands clubs, surtout avec sa manière de jouer, sa technique, sa vivacité, son sens de but, toutes ces qualités qui lui ont permis d'être très performant lors de la CAN 2019 au Caire. Ce que je peux dire, c'est que la justice divine a prévalu en tous les cas. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'équipe d'Algérie aujourd'hui a un élément aussi important que Brahimi, aussi important que Firouli, aussi important que Riyad Mahrez et que Baghdad Bounedjah et les autres. Nous avons de la chance d'avoir un joueur pareil. Il a de la chance aussi d'avoir un coach comme Jamel Belmadi qui l'a bien pris en charge sur le plan mental beaucoup plus, sur le plan psychique, avant le plan technique et tactique. Tout le monde dit la même chose aujourd'hui. Moi, je n'avais jamais douté de ses qualités lorsqu'il jouait en France ou bien lorsqu'il jouait même en Algérie, à l'US Mahmoudia Doron et à l'Espérance de Tunis après. Je n'avais jamais douté de ses qualités techniques. J'avais douté de son entourage, bien sûr, de son comportement, entre guillemets. Peut-être il était jeune, aujourd'hui il a mûri, aujourd'hui il est devenu un élément important pour cette équipe d'Algérie. Je lui souhaite beaucoup de courage en Arabie Saoudite, beaucoup de courage avec l'équipe d'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. Bravo pour Youssef, bravo pour Jamel Belmadi qui a su faire sortir du fond de Youssef toutes ses qualités. Et merci à vous de m'avoir permis de dire tout cela sur Youssef Blaïli. Salutations pour toi, Abdeslam, et pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Hafid Daradi. Quel homme. Non, mais Hafid, il connaît bien le football aussi. Il a été un très bon joueur. Il a joué avec toi. Moi, ouais. Non. Oui, si tu veux, on a joué ensemble, mais après, moi, je suis parti. Cette année, je suis parti. Mais tu l'as côtoyé un peu quand même. Oui, je l'ai côtoyé, je le connais très bien. Il était très bon, hein, il était très bon joueur. C'était un milieu de terrain offensif. Okay. Et comme par hasard, le premier match avec le Mouloudia, il a joué comme arrière droit. Donc ça l'a perturbé. Il a quand même joué en pro avec le Mouloudia. Voilà, il a joué au Mouloudia au premier match de la saison. Ouais. Il était titulaire, mais il a joué arrière droit. Oui. Mais Hafid. Heureusement qu'il n'a pas été joueur, il nous a pas privé de cette belle ce croix. Dire, hein, non, il connaît bien le football. Il connaît très bien le football. D'ailleurs, il joue bien le football et il connaît très bien le football. Et quand il est devenu commentateur, on sent très bien la technique, on la sent vraiment. Ah oui, oui, oui. Clairement, ouais. Et lui, on voit qu'il aime le, il parle de son cœur parce qu'il aime l'équipe d'Algérie. Il aime très vraiment. Il a dit la même chose que vous, que c'est grâce à Belmadi. Non, mais c'est vrai, on l'a dit, on le dit et on le répète encore. C'est Belmadi qui a finalement. Il n'y a pas que Belaïdi finalement. Il y a pas mal de, d'autres joueurs. Vous prenez un Boulhi qui était sans club. Il avait pas beaucoup de matchs dans les pieds, il y avait Guedioura, il y avait pas mal de... Mais finalement, Belmadi, c'est pour ça que Belmadi, moi je suis confiant et je suis optimiste pour l'avenir aussi. Hein. Aussi il y a la Coupe d'Afrique qui va venir, et surtout il y a la Coupe du Monde qui va venir. Et la Coupe du Monde, moi je sincèrement,
La Coupe d'Afrique, c'est pas que je m'en fous, mais c'est la Coupe du Monde que j'attends. J'attends la Coupe c'est du tout Monde. Le monde qui attend ça. On parle d'Algérie, ils disent on verra la Coupe du Monde si vous gardez votre niveau. Parce que sincèrement, hein, sincèrement, avec cette équipe, avec cet état d'esprit, avec cet effectif, cet entraîneur, moi je crois qu'en Coupe du Monde, ils peuvent aller loin. Sincèrement, ils peuvent faire la surprise. Ouais. Je leur souhaite, sincèrement. Moi aussi, je leur souhaite. J'attends, parce que finalement, le plus difficile, c'est pas la Coupe du Monde, la phase finale. Le plus difficile, c'est la qualification. Non, mais oui, bah, surtout en Afrique. En Afrique, la qualification. Mais une fois on se qualifie, moi après, je vous assure qu'en 2022, si l'Algérie sera en 2022 au Qatar, il y aura une surprise et vous allez voir. Parce que ils ont, avec cet état d'esprit, moi je pense qu'ils peuvent aller loin. Et sincèrement. Oui. Mais pour revenir à Hafid, c'est un ami. Et oui, il vous a passé le bonjour. Ah oui, je lui passe le bonjour lui aussi. Et puis, plus ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Espérons qu'on se voit, Inch'Allah, Rabbi, la prochaine fois. Alors, Bousseli, comment tu as trouvé la prestation de Blaylee lors de la dernière Coupe d'Afrique? Est-ce qu'il parlait, Hafid, qu'est-ce qu'il disait? Il était parmi les meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique. Hein. C'est vrai que Mahrez a été le meilleur joueur. C'était Bennacer le meilleur joueur. Non, finalement. Non, il a dit parmi. Bennacer a été élu meilleur. Non, Mahrez, il a été classé meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. C'est Mahrez qui a été il faut pas oublier Azdine, il faut pas oublier le but contre le Nigeria. Mais en vérité, c'est vrai. Vous dites Bennacer, il y avait Bennacer. Il finit meilleur joueur. Benassar. Mais l'équipe d'Algérie, finalement, quand vous voyez l'axe central, Mendé avec comment il s'appelle, extraordinaire. Quand tu vois Attal, quand tu vois Bespaïli, oui, Attal, il a pas eu la chance, il était blessé. Personnellement, je pense qu'il y a personne qui est pas au niveau, parce que même quand on voit Zéphane, quand on va jouer le Nigeria avec Zéphane sur l'aile. On se dit, mais c'est fini, on va se faire manger. La finale, t'as Zéphane contre Mané. Mané, il passe pas une fois. T'as vu Zéphane? Enfin, il passe, mais sans plus. Le match qu'il fait, Zéphane. Et Zéphane, je pense que... Mais il y a tellement de bons joueurs. On parle de Blaylee, on n'arrête pas de parler de Mahrez, de Bennacer, de tout le monde. C'est vraiment... La clé, c'est que t'as un effectif avec vraiment un talent énorme. Et là où Belmadi est fort, c'est que c'est un meneur d'hommes. Et il voit pas que la qualité footballistique. Il voit les hommes qu'il y a derrière. Et il exclut personne. Tu vois, par exemple, Belkebla. Avec ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a fait, voilà. Oui. Les trois quarts des autres sélectionneurs l'auraient jamais rappelé. Et là, le fait de le rappeler, c'est il lui donne une chance. Et Belkebla, tu vois, il est pas si mauvais que ça à Brest, il est bon. Et c'est pour dire à ceux qui sont installés, là, qui ont pris sa place à la CAN, il est encore là, il peut revenir. Il faut toujours se battre, il y a toujours de la concurrence, et c'est la concurrence saine. Il sait comment activer. C'est ça qui pousse les joueurs à se donner à fond. Et ça, c'est une méthode de management, pour moi, c'est une des meilleures possibles. Belmadi, c'est vrai qu'il a réussi à choisir les bons joueurs, parce qu'il fallait choisir les joueurs qu'il faut. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le football aussi, il n'y a pas que les qualités techniques, c'est les qualités morales aussi. Oui, la course en groupe aussi. Ouais, et la discipline. Belmadi, il a vraiment axé sur la discipline. Et puis en plus, Blady, il est revenu parce que Belmadi l'a pris, il lui a parlé. Et il a fait ça avec tous les joueurs. Donc il les a motivés. Il leur a parlé, il y a eu une confiance, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une confiance qui s'est Belmadi a été adopté par les joueurs. Et voilà, maintenant, il a fait le gros travail que pas mal d'entraîneurs n'auraient pas réussi. Hein. C'est ça, parce que nous, on voit que la relation entraîneur-joueur, en mode patron et employé, entre guillemets, mais avant tout, c'est une relation humaine. Parce que parfois, ça joue aussi sur l'homme. Enfin, un joueur qui n'est pas en confiance avec son coach, il va pas à la guerre. Mais parfois, parce que tu prends des grands joueurs, et finalement, ils te bousillent l'effectif, ils te bousillent avec leur mentalité, S'ils s'entendent pas. Exactement. C'est ce qui s'est passé à la période où il y avait Rabih Saden, il y avait les locaux, il y avait les. Ça, c'est pas possible, tu peux pas couper les. Mais justement, mais ça a toujours été comme ça en équipe nationale algérienne, mais c'est Belmadi qui a cassé. Et puis le rôle, excuse-moi Nazir, le rôle le plus difficile pour un entraîneur, c'est d'instaurer une discipline. Une discipline de pas de fer, mais une discipline quand même que les joueurs adhèrent. Et les joueurs, et en plus, quand tu fais. Le plus difficile, c'est de ne pas faire de différence entre les joueurs. Même si tu as Mahrez, par exemple, qui est meilleur joueur ou n'importe qui, il ne faut pas que les joueurs sentent que Mahrez, il est chuchoté. C'est ce qu'on avait dit pour son retard de 30 secondes. Et Belmadi, il a fait ça. Il n'a pas fait de différence entre le 22e et le premier joueur. Tout le monde la même chose, il a créé une ambiance de oui, c'est ce qui fait une cohésion de groupe aussi. Exactement. Hein. Ouais. Non, mais attention, il y a des entraîneurs aussi qui ne savent pas faire ça, parce que ça ne s'apprend pas. C'est pour ça que c'est louable, Belmadi. Ça, on le sait. Si on ne le sait pas. Oui. Il y a l'entraîneur, les Guardiola, les Klopp, ils ne sont pas meilleurs sur le terrain, parce que sur le terrain, n'importe quel entraîneur peut faire d'exercices et tout, tactiquement. Bien sûr, c'est le fait de l'état d'esprit que tu ramènes, l'ambiance que tu crées, c'est entre les joueurs, et c'est ça le plus important.
Là-dessus, on est d'accord. Je pense que Belmadi, on loue pas assez son travail. On le loue, hein, mais vraiment pas assez, parce que vraiment, ce qu'il fait... C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Elodie, on s'attendait pas à ça. Elodie a parlé de cohésion de groupe. Enfin, vraiment, tout le monde sait qu'il y a certains joueurs techniquement qui sont au-dessus, même si on a beaucoup de bons joueurs. Quand on entend Mahrez, c'est une star. Enfin, voilà, il y a des gens au-dessus. Et après, c'est aussi la mentalité algérienne, je pense. Mahrez ne fait pas sa star. Quand il arrive au rassemblement, il ne fait pas la star, je pense. C'est ça. Alors, dans d'autres pays, mais Aldine, je te coupe, excuse-moi, mais avant, ce n'était pas le cas. Mais tu sais, Belmadi, il y avait un reportage où Belmadi, c'était un reportage juste après la Cannes, ben, où Belmadi, il avait expliqué, il a dit, moi, le premier jour où je suis arrivée, j'ai fait une réunion qui a duré plus de 5 heures. Il a dit, j'ai exclu des joueurs. Moi, je ne sais pas s'il parlait de Roulem ou de qui. Il n'a pas cité les noms. Il a dit, c'est des joueurs qui jouent bien, mais je les ai exclus à cause de la discipline. Parce que quand ils viennent en sélection, ils nuisent à l'ambiance. C'est pas un bon état d'esprit. Il a dit, j'ai fait des choix. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, le problème, c'est que il les prend sur le plan moralité. C'est vrai que sur le plan technique, oui, mais sur le plan moral, sur le plan... Et puis en plus, il faut souligner une chose, Belmadi, quand il est arrivé, l'équipe d'Algérie était disloquée. Hein. Elle était coupée, il y avait des problèmes. Il y avait que des problèmes. Donc, Madjera avait cassé l'équipe. Il avait cassé l'équipe parce qu'il a fait des différences entre les joueurs. Déjà, il n'y avait pas de stabilité au niveau des coachs. Lui, il a fallu travailler, surtout moralement, psychologiquement, ça, les joueurs. C'est un travail. Donc, il suffit pas d'être un bon joueur pour faire un bon entraîneur. Non, mais c'est le cas de Madjer. Hein. Mais Belmadi aussi, il était joueur. Je vois ce qu'elle veut dire, Nazia. C'est que quand dans la légende, Madjer, au niveau foot, il était au-dessus de Belmadi. Oui. Et Belmadi, là, il est en train de retourner la situation au coach. Guardiola, c'est un super joueur de foot, mais c'est un des rares qui a réussi à faire les deux. Klopp, par exemple, moi, j'ai pas le souvenir d'un grand Klopp au football propre. Klopp et Tuchel, c'est pas des grands joueurs. Voilà, après, t'as Zidane aussi qui a su faire les deux, mais c'est rare que les gens. C'est Ancelotti qui a des meilleurs entraîneurs du monde. Il a une carrière. Il a cassé aussi le cliché de l'entraîneur. Il faut toujours un entraîneur étranger. Là, c'est vraiment un sélectionneur local. Plus en Afrique, mais non, mais le problème, l'entraîneur aussi, il y a les grands joueurs, c'est-à-dire un grand joueur peut devenir un entraîneur, mais il faudrait que le grand joueur, quand il arrête sa carrière, il faudrait qu'il aille apprendre à entraîner. Sûr, parce qu'on peut pas devenir entraîneur du jour au lendemain. Aujourd'hui, je quitte, demain, je suis entraîneur. Non, il faut d'abord faire des stages, des diplômes. Déjà, Zidane, il est resté pendant 2 ans, et Zidane, deux ou trois ans à apprendre. Il est passé jouer Gourcuff, il est passé chez Gourcuff, il a passé. Donc, il faut quand même faire ses preuves. Et commencer par les jeunes, par l'équipe espoir, quand il était à la Castilla, au Real, il coachait les jeunes. Et donc, pour pouvoir prendre des seniors, on ne peut pas du jour au lendemain prendre l'équipe professionnelle. Donc, dernière question par rapport à Blayley. Qu'est-ce que vous pensez, pas uniquement de Blayley plutôt, qu'est-ce que vous pensez de cette complicité entre Bardet Boundiah et Blayley? Hafid avait parlé de ça, justement. Oui. Oui. Non, parce que d'abord, ils sont tous les deux d'Oran. Ah oui. Ils sont rennais tous les deux. Et puis en plus, je crois qu'ils ont joué en jeunes ensemble. Donc il y a quand même une complicité, il y a une amitié qui s'est instaurée depuis qu'ils étaient jeunes. Donc quand ils se retrouvent en senior, ils jouent avec plaisir, ils s'entendent très bien. Donc c'est important. C'est important d'avoir deux attaquants qui se comprennent et qui se complètent. C'est important pour l'équipe. Je pense que ça a compté énormément dans le choix de Belmadi, parce que Belmadi aurait peut-être pas appelé Belaïli sans ce facteur. Ou il aurait peut-être pas mis titulaire. Enfin, Belaïli a comme Ibrahimi sur le banc. Il voit vraiment cette complicité, tu veux dire? Ouais, je pense, oui, parce que tu pouvais. Delors qui venait d'être naturalisé, t'aurais pu lui laisser plus de temps de jeu. Slimani, t'aurais pu le mettre. Bon, Soudani était blessé, mais je pense que même si Soudani était là, ça aurait été Belaïli devant. Peut-être pour cette complicité, tu vois. Enfin, c'est un duo qui s'entend très bien. Donc, exactement. Mais Boundiah, il a des qualités quand même. Il a prouvé finalement. Moi, je pense pas qu'il le met parce que c'est son copain, non. Ce que je dis, c'est que ça en rajoute. C'est un élément de plus. Cette complicité, remarque même dans le jeu. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien parce que c'est des. Il y a beaucoup de grandes équipes de foot qui ont eu des duos ou des trios qui étaient amis dans la vie. Enfin, c'est. Parce que Zinho et Eto'o, ils s'appelaient tout le temps au Barça et ils étaient super forts ensemble. Parce que c'est important quand il y a deux joueurs qui s'entendent dans la vie, en dehors du terrain, ils s'entendent, ça peut se répercuter sur le terrain aussi. Hein. Et c'était quand le cas vois, pour quand vous tu, quand vous étiez joueur? Quand tu vois Messi avec Suarez, il laisse pas par rapport à Benzema est meilleur, mais Suarez, ils s'entendent très bien avec Messi. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les joueurs, c'est des amis. Ils s'entendent très bien. Donc sur le terrain, ça, parfois on la voit. C'est important aussi que quand il y a deux joueurs qui s'entendent très bien, ça peut se répercuter sur le terrain. Oui.
Donc, Bousseli, généralement, les anciens joueurs se convertissent en Entraîneur, entraîneurs oui. après leur retraite. Pourquoi tu n'as pas choisi cette voie? Si, moi j'ai été entraîneur, hein. Ah oui? J'ai fait ça pendant 20 ans. Moi j'ai commencé par les jeunes, j'ai entraîné les co-de football, les minimes, les cadets, les juniors, les espoirs, même les seniors. J'ai entraîné les Là, tu seniors. disais, on apprend d'abord. Voilà, mais j'ai. Non, mais. Et après, bon, quand je suis venu en France, j'ai abandonné ce projet. Mais C'était en voilà. Algérie. J'ai en Algérie, ouais. En Oui. Algérie, j'ai passé mes diplômes. Et voilà, hein, mais parfois c'est comme ça. Je sais pas, mais peut-être t'aurais dû rester là-bas, parce que là, quand je vois le Paradou, par Ah exemple, oui. le football algérien a compris qu'il fallait former aussi, pas que servir des stars qui étaient nés à Oui, l'étranger et des oui. binationaux. Et ça commence vraiment à former des petits jeunes Nous, très intéressants, le problème Zidane. de la formation, c'est vrai que la formation laisse à désirer en Algérie. Oui. Non, si tu prends par exemple Comme dans juste ça, beaucoup de et pays du continent. ouais, puisque, par exemple, si vous prenez des jeunes de 10 ans, hein, vous prenez un Français et un Algérien Ils ont par pas les mêmes exemple, ou un structures, Brésilien, non, ils ont pas les mêmes structures, prenez pas un les mêmes. Européen et un Algérien Bien à sûr. l'âge de 10 ans. L'Algérien, peut-être, il est plus doué. Mais au fur et à mesure des années, l'autre, il progresse. Parce qu'on le Progresse. Bien sûr, bien parce sûr. Que les moyens, il est Bien pris en sûr, charge. bien sûr. Et l'Algérien, il est le seul club en Algérie, c'est le Paradou, qui ouais. essaye de faire le travail. Mais on voit son travail à Attal, voilà. Qui Moi, je sort. Vais glisser un mot là, vite, parce que voilà, c'est un petit truc personnel. C'est quand je vois sur les réseaux sociaux, tout le temps, il y a des débats entre Hakimi et Attal, parce qu'ils ont quasiment le même âge. Attal est un peu Oui. plus vieux. Mais il ne faut pas oublier qu'Attal, jusqu'à la saison dernière, il vivait en Algérie, il habitait au Paradou, il jouait au Exactement. Paradou. T'as pas les mêmes structures au Paradou que Hakimi, qui est très bon aussi, mais qui est Oui. Hakimi qui est au Real Au depuis Real depuis, qu'il a exactement. 10 ans, quoi. Enfin, Exactement. t'es pas formé Exactement. à la même école. Oui. Et donc, voilà. Malheureusement, on arrive au terme de notre émission Scandalise Hot J'ai sur IRM.radio. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un énorme plaisir de vous recevoir. Écoutez, moi, je tiens à vous remercier de m'avoir invité d'abord. Et c'était un bonheur, sincèrement. Je suis très heureux d'être là. Merci. Vrai Je plaisir, trouvais franchement, vraie très émission, une bonne c'est ambiance. Les gens Merci s'installent Elodie, merci Anthony. Merci voilà. Merci Bousquet, merci Anthony. Merci Chers auditrices et Et merci auditeurs, Nazia, bien sûr. Merci Azdine. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2020 sur IRM.radio. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur YouTube en replay. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, au revoir.